Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment choisir un propriétaire. C'est parti. Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va voir comment choisir un propriétaire avec qui tu vas travailler dans ta conciergerie, donc un propriétaire qui souhaite te confier un bien, et on va voir comment tu vas choisir les propriétaires avec lesquels tu vas travailler. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre dit comme ça, parce que a priori, si tu viens de démarrer ta conciergerie, tu as plutôt tendance à te dire les propriétaires qui veulent te confier leur bien, écoute, on va le prendre et puis on va s'en occuper et on va maximiser le chiffre d'affaires comme on sait le faire. Alors ça c'est vrai, notamment quand tu démarres, où en gros tu vas prendre un petit peu tous les appartements qui peuvent peut-être confier. Mais à un moment donné, tu vas rapidement te rendre compte qu'il va falloir que tu optimises un petit peu ton parc. Pourquoi ? Parce que tu vas voir qu'il y a des appartements qui te rapportent plus, d'autres qui te rapportent moins, d'autres qui t'apportent plus d'ennuis, d'autres qui t'en rapportent moins. Et du coup, je dirais que le mélange de ces deux composantes fait qu'il y a certains biens qui valent le coup vraiment d'être conservés et d'autres où c'est vraiment plus compliqué. Alors pour ça, on s'appuie un peu sur la loi de Pareto, hein, c'est la loi 80-20. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les biens qui te rapportent 80% de ton chiffre d'affaires. Et tu verras que cette loi se vérifie assez souvent, c'est que 20% des biens que tu auras en gestion vont rapporter 80% de chiffre d'affaires. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'il y en aura qui vont être, des 3 pièces, des villas, par rapport à un studio, par exemple, qui rapportera forcément moins. Tout ça fait que tu vas devoir choisir un peu avec qui tu vas travailler, notamment quand tu es dans cette phase d'optimisation, hein, on est bien d'accord, hein, c'est pas au démarrage de ta conciergerie, c'est un petit peu après. Donc toi tu vas regarder un peu cette optimisation. Deuxième point que tu vas regarder, comme je l'ai dit au début, c'est quel bien génère le plus d'ennuis, si je peux dire ça comme ça. Et tu vas voir que là encore la loi va se vérifier, c'est que il y a 20% des biens qui vont te créer 80% des ennuis que tu auras. Donc là, typiquement, s'il y a un bien qui est dans ces 80% d'ennuis que tu as, et alors que c'est un bien qui ne te rapporte que 20% de ton chiffre d'affaires, typiquement, là, c'est un bien dont il va falloir, à mon avis, se séparer, ou il va falloir optimiser ou en discuter avec le propriétaire. Et donc, c'est en ce sens-là qu'on va choisir avec qui on va travailler. C'est quand tu arrives dans cette étape-là, tu vas optimiser ton parc existant, tu vas vérifier lesquels te rapportent le plus, lesquels sont le moins d'embêtements, ou en tout cas le plus optimisable. Et ensuite, ceux qui ne rentrent pas dans les cases, il va falloir en discuter avec les propriétaires pour voir si, effectivement, on doit continuer le contrat ou pas. Et après, ça va être pour les nouveaux propriétaires avec qui tu vas travailler, là du coup tu vas être aussi plus à l'aise pour discuter de tout ça, parce que tu as déjà un parc de biens à gérer, ça tourne, tu auras éventuellement déjà tout optimisé, et du coup les nouveaux propriétaires avec qui tu vas travailler, tu vas pouvoir entre guillemets être sélectif, c'est-à-dire est-ce que le bien correspond entre guillemets au standing que toi tu imposes, est-ce que le profil du propriétaire qui veut te confier le bien correspond au profil avec lequel tu as envie de travailler, hein, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos où on travaille quand même plutôt avec des investisseurs, voire des multi-propriétaires, pour tout simplement une raison de profil. Hein, et du coup, si ces propriétaires qui viennent vers toi entrent dans les cases, ça sera parfait, tu n'auras plus qu'à prendre l'ambiance en gestion. Par contre, s'ils ne rentrent pas dans les cases, c'est typiquement des propriétaires avec qui tu ne vas pas travailler, parce que justement, ils te généreront soit pas suffisamment de chiffre d'affaires, soit beaucoup trop d'ennuis pour tout un tas de raisons. Donc du coup, ce sera le type de bien, le propriétaire avec lequel il ne faudra pas travailler. Donc après, si effectivement, il y a un propriétaire qui a le bon profil, mais que le bien qu'il te propose ne t'intéresse pas, rien n'empêche de garder le contact. Et si c'est un multi-investisseur, il y a des chances qu'il revienne vers toi peut-être quelques mois, parfois même une année après, pour te dire, écoutez, j'ai un bien qui correspond, qui est plutôt comme ça, est-ce que vous seriez OK pour le prendre en gestion ? Donc, surtout, on garde le contact et on garde des bonnes relations avec ce type de propriétaire, parce que du coup, ça ne sera que un prospect à ce moment-là. Donc, c'est important de bien garder le contact avec lui pour de futurs
de futurs propriétés en gestion, hein, rien n'est jamais perdu. L'idée, c'est surtout que voilà, le propriétaire a bien compris que tu es un stand, que toi, tu as un standing à mettre en place et qu'il faut que le bien corresponde à tous ces critères-là. Et du coup, ça va, voilà, tout ça, ça va pousser vers le haut les biens des propriétaires, ça va pousser vers le haut leur chiffre d'affaires et ça va pousser vers le haut ton propre chiffre d'affaires également. Donc vraiment, on est dans du gagnant-gagnant quand tu en arrives là. Cette phase d'optimisation, hein, encore une fois, elle est vraiment... Voilà, c'est plus tard, une fois que tu as créé ta conciergerie, que tu as consolidé un peu tes bases, là, tu peux commencer à travailler sur cette optimisation. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi, tu veux créer ta conciergerie ou que tu viens de créer ta conciergerie, eh bien, tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour ça, tu déroules là juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc ce pack, il contient un document Word qui est la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera le prévisionnel financier sur les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Et enfin, tu auras un guide PDF qui explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir remplir, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien là qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.